Cette personne. Non. Yoshi, très bien. Le bastion. Et... Oh, il y a le EPR, on a d'abord de la peinture et du EP. On va approcher au corps à corps. Là pour l'instant, Hugo. Hugo a le lead avec ses backers. Voilà, Yoshi, autre corps à corps. Voilà, il se. On va être dans son avantage. Il se fait burry. Très important. Hugo qui a profité beaucoup du side B durant la game. On va voir comment choper ça après. Là, il arrive à contrer ça avec un forward air. Contrer le side B. Voilà, et je trappe de la part de Yox. On est tilt. Ça donne avec un EB et ça. Franchement, 9. Voilà. Là, pour l'instant, on voit que c'est une game assez even. Ils ont réussi à prendre l'un et l'autre durant les games. Un edgeguard au nerf, assez efficace, neutral air. Voilà, ça fait du kangouri un petit peu. Et Hugo arrive à grab et on l'envoie en edgeguard. Ah, écoute. Ah. Hugo qui. Visiblement, c'est, tout était normal. Il y avait un petit peu comme ça. Bon, écoute, on retourne en edgeguard. Regardez. Il y a des aérios, au pire il va mettre un forward air. Regarde, je trappe. Là pour Hugo de l'edge trap Yoshi avec ses backers, mais Yoshi ne veut pas s'engager. Remet en edge guard. L'edge guard Yoshi avec ses EP, donc il prend sur l'edge trap et on met le forward air. Hugo qui arrive à prendre la première stock. Est-ce que Yux pourra prendre la en edge guard là? Est-ce qu'il va tenter un air? Est-ce qu'il arrive? Non. Il n'a pas le timing encore. Le ledge trap est là. Hugo sort du terrain. On voit qu'il arrive. Ah, on voit des Yoshi. Des Yoshi, pardon. Des Yoshi qui. Qu'est-ce que j'ai manqué? Là pour l'instant, Hugo qui n'a toujours pas perdu de stock. Yoshi qui n'arrive pas, malgré la pression qui arrive avec son Yoshi, à prendre l'avant, à prendre ses stocks là. Et le neutral auto shield, il attendait quelque chose. Et up. On voit Yoshi, l'air de rien, il peut les trap assez violemment avec ses EB et la moindre de ses coups peut faire super mal. Yoshi n'a pas d'ego. Ça tend de sur pour Baguer et Baguer avec la bonne passe assez vite. Est-ce qu'il arrivera à faire de meilleurs les trap après? Okay, en tout cas, on voit qu'il arrive à un bon pourcentage, il arrive à prendre l'avantage. Non, mais c'est le les trap qui peut, pas de problème. Et bah. Avec ses forward air très dangereux, ça Yoshi qui grave et qui envoie et qui met, met en attente avec un forward air. On voit que ça met beaucoup de stock comme ça. C'est une manière assez facile de faire, ça a jamais bien fonctionné. Le brouillard et le upper 2 qui n'est pas passé. En tout cas, voilà, on en revient dans le neutral. Il y a Lux qui tente d'aller au corps à corps. Ça augmente un peu le tech chase. Ah. Peinture de la part de Hugo. Tant qu'il garde la peinture pour ses. En tant que edgeguard. Ah, il a tenté un EPR. Ah. C'est sur ce qu'il avait fait avant, mais c'est. Il essaie de lire. Prochain aérien, mais ça passe pas. Et le backer quand même. Donc là, Lux qui arrive à gagner. Donc. Et son avantage, il a fait pas fort pour le side B, c'est très bien. R. Donc il décidera d'avoir son A. Et le bloc. Yoshi qui. Là, Hugo qui désespère d'avoir cette stock là, il bourre un peu les options. Enfin, est-ce qu'il récupère un petit peu de. Il faut qu'il panique un peu moins. Là, la bombe. Garde. Un edge guard avec le forward air, ça passe. Non. Bien. Là, est-ce que Yux arrivera à rattraper son avance? Parce que Hugo arrivera à rattraper son avance. Bombe. Bam bam. Petit backer. Ah. Bouya. R. Side B. Ah. Il s'est pas fait avoir cette fois. Ah, c'est en train de smash pour un catch. Erdold, mais ça ne marche pas. Rabu Yoshi. Faire un peu de mettre un up smash. Mal calculé. Ah. Le... ne passe pas, Hugo qui arrive à sortir. Là on voit les métacilles.
les pourcentages sont assez even là, ils sont interaction, un side B, de la part de Hugo. Chiquito qui arrive avec un de ses aérios. Pas mal de pression. Il peut partir très vite. C'est dans le ledge gas, est-ce que ça va faire le nerf? Ça va sur un ledge trap. Est-ce que ça va remettre le shield? Ça va trouver le niveau aérien alors que on voit que Yox attendait visiblement. J'attendais à ce que Hugo aille parte dans les airs alors qu'avant il prenait une neutrale bugged up et un EPR. On voit que Yox ne veut pas se faire ledge trap, il sait le fait que le fait qu'il a pu sortir efficacement et peut-être il prend un petit peu de risque par rapport à ce qu'il ce que Hugo fait d'habitude. Et dans le tout pour le dos et le reverse edge guard de la part de Hugo. Et on est sur 2-1. On est sur un 2-1 sur un reverse edge guard de la part de Hugo. On l'a pas vu faire ça, mais il a réussi à punir. Et c'est bien ce qu'il a fait ça. Yox a été beaucoup trop gourmand. Un peu trop surestimé la capacité d'edge guard de Yoshi. On est de retour après une petite pause. Hugo est allé boire un petit peu. On voit une loser finale de qualité en tout cas. Deux adversaires qui arrivent à se saisir assez bien. On marque seulement une chose, c'est que on voit qu'ils ont pas forcément un peu trop ce qu'ils voient. Ils se disent ils vont aller hop, va faire ça alors qu'avant ils faisaient ça. Est-ce qu'on va voir quelque chose dans la prochaine game? C'est à voir. En tout cas, on a deux joueurs qui s'entendent bien aussi, deux joueurs qui se marrent bien entre eux. Ça c'est cool, ça c'est la bonne compétition, la bonne franquette. Alors on va discuter un petit peu tous les deux. Avoir fait les bans. Il repart sur les mêmes personnes. Calme pour repartir maintenant. On va monter sur Town City, ensuite sur Bastion. On va revenir sur l'un d'entre eux. Et on retourne sur Town City. Très bien. Là, c'est grande. Les deux peuvent zoner un petit peu. J'ai l'impression que Yoshi pourrait être plus avantagé à ce niveau-là. Ça commence direct avec les séries de backer. Le Bouya. Le nerf backer. Variation du Bouya. Je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est très beau ce combat. C'est très intelligent de la part de Yox, game plan. Ah, et le side B. Enfin, on arrive à en sortir, le mashing est maîtrisé. Alors, on voit que Hugo, quand Yoshi approche, on met de la peinture. Et on voit aussi que quand Yox veut approcher, il met un EB et après il varie et une position ou alors un coup aérien. C'est assez intelligent. On voit qu'il peut approcher avec un Yoshi. Et on voit qu'il le side B avec ton neutral B de Yoshi. En tout cas, son comment le brand grave, en tout cas, c'est très adapté. Des outils de qualité Yoshi. Avec un travers, ça. Voilà, tech chase. Ok, tech. Un peu, on est à 1%, on cherche un aérien, quelque chose, un grab à faire. B. Vous êtes dans du trop vite et ça catch la roll avec un side B et ça envoie le smash. Et donc arrive à prendre la stock. Est-ce qu'il arrive à rentabiliser la troisième stock? Là, on va aller vers de Yox. On voit qu'il repart sur un edge guard assez agressif. Qui n'avait pas fait de ledge drop to neutral B. En tout cas, Yox a pu punir avec un neutral air. Il avait fait une punition similaire dans la précédente. Est-ce qu'il va, que ça va l'inspirer pour les prochains ledge trap? On verra ça. Et on lâche pas la pression. Des petits pourcentages et le fond d'air. Non, ça ne passe pas. Un de Yox, voilà, ça lit la roll, forward air, la retente un air, assez agressif dans la mesure où
avec Aidly et le forwarder qui passe dans le zone. Là, on voit que les shrubs de. Hugo ne peut, pas revenir de la. Revenir un peu de la même manière, mais il peut aussi varier le timing. Et voilà, c'est. C'est Yox qui va trouver le bon timing. En tout cas, on se trouvera un partout au de la stock. Alors, c'est even. Les. De paire. Alors, ça sort de tous les avantages pour repartir en avantage. C'est assez dynamique. Je crois que les deux sont très au corps à corps. Deux finalement assez peu. Il y en a quelques. Là, en tout cas, on voit que c'est. Les deux n'ont pas peur d'aller au corps à corps. Ah. Et regarde. Ah, on voit que Yoxi est beaucoup moins entreprenant et on se souvient de la game précédente. Le Ledger qui s'était pris dans la tronche, le Rivas Ledger là. Là. Voilà. Tac. Ah non. Retour en neutral. Je préfère. Sécuriser avec une bombe. Là, B. Ouais, oui. Seal. Edgeguard avec ses. Les strap avec ses. Deux. Voilà. Backer. Retente. Et ça va essayer d'aller vers le haut. Et ça tue avec un bouya. Oh là là. Ah là là.